Tata, regarde ce que j'ai fait avec les sorties. Tu faisais pas ça tout à l'heure. Je ne sais pas faire le bout comme ça, ça vient se couper. Ce n'est pas encore revenu. Attendez, dans 5 minutes, on va allumer ça. J'ai un problème ici, le truc saute. J'ai le... Voilà. C'est du gâteau. Le disjoncteur qui saute. Donc, on a dit qu'il faut que je vais avec le bailleur. Depuis que je suis rentrée, là, ça fait ça. Donc, ils m'ont dit de voir avec le bailleur. Demain, je vais aller voir ça. Ça saute à partir de 13h-14h. Et dans la nuit, vers 2h aussi, 2h comme ça de la nuit, ça saute. Donc là, quand je vais aller mettre ça tout à l'heure, ça va. Là, j'étais obligée de faire ma propre connexion avec mon téléphone. Pourtant, je fais ici parce que c'est qu'on m'appelle là-bas. On m'appelle là-bas. C'est que j'ai deux téléphones. Il y a le téléphone de la Goula Goureuse, mon ancien téléphone. Et le téléphone de la Goula Goureuse. Donc, du coup, le disjoncteur, quand ça saute, comme je mets la connexion de la maison, ça éteint tout. Mais par contre, dans la cuisine, le frigo, le congélateur, ça ne s'éteint pas. Ce n'est que ici. Dans la chambre des filles, non. Il y a les prendre. La chambre des filles aussi, ça ne s'éteint pas. Dans ma chambre, ça s'éteint. C'est pas, ça saute. Donc on m'a dit de voir avec le bailleur. Parce qu'on a appelé EDF. EDF disent que non, vous êtes à jour, nous on ne voit rien ici. Oui, non. C'est ça là qui saute. Il n'y a que ça qui saute. Ouais, il y a la lumière, mais. Voilà, là maintenant ça a pris. Là ça a pris maintenant. Donc ça va encore sauter peut-être à 2h. Parfois ça peut faire comme ça dans la journée, ça saute plusieurs fois. Hein. Ça dépend. Par contre, ça saute, mais il y a la lumière. Je comprends pas. Après ça, moi aussi, je vais aller manger. Quoi? Goûte-moi un peu, Alia, s'il te plaît. Elle aime les choses comme ça jusqu'à. Attendez, mais la machine, hein. Comment la machine s'est arrêtée? Il y a encore des filles, elles ne seront pas. Mamie appelle encore, elle n'a pas fini de parler avec vous. Si. Elle est en train d'appeler là. Oui. Vous riez quoi? Je vais nous gagner à la fois. Et pom pom girl. Vous avez entendu le lever, non? Encore écouter ça bien. J'aime ça. Maintenant, c'est comme ça que je m'en fais. Mais seulement ça. T'en avais demandé comment envoyer ça ici. Comme c'est sur le téléphone que je peux le dire là. Regarde un peu la frie, Alia. Regarde un peu la frie. Si ça y est, c'est en haut déjà. C'est en haut. C'est pas encore pris ici. C'est bon, ça y a pris. Patricia, quand il va écouter le Japon, je Patricia, il peut mourir de rire. Elle dit que, hi, mama. On a dit que, j'aime la yuka, elle coupe là, elle coupe les bonnes parties. Excuse-moi, elle te dérange. C'est dans le... Là où il y a le Japab, là, c'est dans l'autre téléphone là-bas. C'est là-bas qu'il fait le direct. Là où quand elle a sauté là encore. Envoie-moi ça ici, s'il te plaît. Merci.
Merde. Non. Nous sommes les mythos, hein. Mensonge. Ouvrez bien grand vos oreilles. Padia. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Ok. Je t'appelle là parce que je voudrais te dire deux choses. Je voulais te dire deux choses. La première des choses, c'est que je dis bien pour plus jamais. Pour plus jamais. Que ce soit mon numéro ou quoi que ce soit me concernant. La deuxième des choses. Je veux que tu laisses Pépétu tranquille. Il faut que la prochaine fois, il dit que tu laisses ma princesse laisse tranquille. La prochaine fois, il faut quand qu'il dise. Quand vous faites votre sorcellerie là, enlevez-moi. Voilà les deux choses que vous voulez te dire. Voilà les deux choses que vous voulez te dire. Donc, plus jamais. Est-ce que c'est compris? Laisse-moi. Est-ce que c'est compris? C'est pas compris. Voilà, c'est compris. Pour moi, c'est terminé. Non, je te dis plus jamais. Terminé. Terminé. Voilà. Au revoir. Écoutez la fin. C'est la fin là. Les filles. Oui. Arrêtez, pardon. C'est le bruit là. Ta sonnerie, elle est bizarre. C'est la fin là qui me plaît mal. Bloque maintenant. Donc, vous imaginez, vous savez, donc, vous avez compris que l'adversaire dit que je vais t'amener sur les réseaux. Parce qu'apparemment, l'adversaire a dit que la personne qui peut me rendre star là-bas, là, c'est le couple-là. Mieux, je m'attaque à ce couple-là. Donc, dès que le gars allume comme ça, là, l'adversaire dit que... Je veux te répondre. Avec ça, moi, femme, un bonbo de mon état, un homme... Avec qui, soi-disant, moi, je dors avec. Mais laisse déjà des messages comme ça. Ce n'est pas un gourmet, ça. Allô? Oui. Bonjour. Parce que le mensonge que vous venez faire... Je t'appelle là parce que je voudrais te dire deux choses. Je voulais te dire deux choses. La première des choses, c'est que... Je dis bien, au plus jamais. La voix de l'air. Au plus jamais. Que ce soit mon numéro ou quoi que ce soit mon concernant. La deuxième des choses. C'est qui? Je veux que tu laisses Pépétu tranquille. Bah, c'est qui? Papa. Laisse-la tranquille. Quand vous faites votre sorcellerie là, enlevez-moi. Voilà les deux choses que vous voulez te dire. Papa, vous pouvez entendre parler là, vous allez vous voir. Vous te dire. Donc plus jamais. Non, moi j'ai la partie, c'est que moi j'ai mon mal. Attendez, vous faites écouter la partie que j'ai mon jusqu'à ça me donne mon yenge. Voilà. Au revoir. Ah, c'est la partie que j'aime écouter. Bloque maintenant son numéro. C'est la partie là, c'est bon à moi jusqu'à. C'est la partie là qui est bon à moi jusqu'à. Aïe. La partie là, non, c'est trop bon à moi. Maintenant, bloque son numéro. Il y a sa mot jusqu'à. C'est tante Janine qui m'appelle. C'est tata Janine qui m'appelle là. Il y a mon la partie là, maintenant, bloque. Tata Janine qui m'appelle là-bas là. J'aime la partie là jusqu'à. Non, la partie sinon c'est trop doux à moi. Ah. Oh. J'adore cette partie-là.
Bloque mon téléphone. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que on veut me kilam? Vous avez compris maintenant, non? Donc, Waris, ça c'est une réponse à ce que tu dis, qu'il faut qu'il fasse un choix. Écoute bien ça, Waris, écoute bien ça. Allô? Écoute bien Waris, allez appeler Waris qui vient écouter. Tu as demandé qu'il fasse un choix, il a fait son choix. Je t'appelle là parce que je voudrais te dire deux choses. Je voudrais te dire deux choses. La première des choses, c'est que je dis bien au plus jamais. Au plus jamais, que ce soit mon numéro ou quoi que ce soit me concernant. La deuxième des choses. Vous voulez qu'on vous parle en quelle langue? Je veux que tu laisses Perpétue tranquille. On dit qu'il faut que tu laisses Perpétue tranquille. Laisse Perpétue tranquille. Quand vous faites votre sorcellerie là, enlevez-moi. Voilà les deux choses que je voulais te dire. Voilà les deux choses que je voulais te dire. Donc plus jamais. Est-ce que c'est compris? C'est parce que la maman avec qui elle est là, elle n'a rien à voir. Elle nous dit ses voix ici. Comment elle ouais, parle? Pour moi, c'est terminé. Non, je te dis plus jamais. Écoutez. Terminé. On va seulement aller dans voilà. Facebook. Au revoir. Bloqué. Bloqué cadena. Bon. Maintenant. On a demandé de faire un choix. Il a fait son choix. Alors moi, je suis venu vous donner le choix qu'il a fait. Là, le choix, là. C'est-à-dire que on laisse sa Perpétue tranquille. Non, il faut qu'il recommence. Il doit dire, laisse ma petite famille tranquille. Ouais, c'est ça. C'est ça, non? C'est ça qu'il faut qu'il dise, non? Il faut maintenant qu'il dise que laisse ma petite famille tranquille. Ça a encore sauté, Alia. Voilà. Là maintenant, comme ça a sauté, après ça va encore sauter à 14h40. Et puis après, c'est bon. Bon, mes gens, je vais aller voir avec les filles là. Voir quoi? Bon, c'est aller voir ce qu'elle peut manger. On va prendre notre douche. Donc, je vous ai dit, moi je peux parler de ce problème là, ça commence à me prendre la tête en fait, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait rire? Noé, il faut fermer l'eau là, voilà, tu as versé l'eau partout. Comme j'ai dit que ça commence à me prendre la tête, Alia se moque de moi. Donc vous avez vu, ce dimanche, c'était leur menu, c'était les crêpes. Moi, je m'avais mangé mon poisson que j'ai fait hier. Et il restait un petit mètre pistache là, je veux manger ça. Puis je vois comment est-ce que j'appelle ma fille. S'il y a une, elle me donne une. S'il n'y a pas aussi, je dors. S'il y a une bonne bière là, ou un bon champagne, parce que moi je bois plus de boissons. La DSP me menace déjà, j'ai bu la DSP hier là, ça me donne des palpitations. La DSP, je bois plus de la DSP. Et moi j'ai peur alors de boire les bières avec les sirops. Après ça me fait prendre le poids, parce que moi je n'ai pas le poids. Hein. Je n'ai pas du tout envie de prendre le poids là-dessus, là. Pardon. Je ne dois pas... Parce que là, il faut que je maintienne le 40 là. Et si je parle, il y a plus que le 40 là, ce n'est pas bon. Vous avez dit que le poids apporte beaucoup de maladies. Donc, j'ai vu là qu'il y a un médicament, un truc pour perdre le poids qui est sorti là. Très bon. Je vais m'engager là-bas. Parce que je dois être trop belle. Je dois vraiment m'entretenir maintenant. Je dois vraiment m'entretenir. Parce que... Il paraît que Waris a dit qu'on nous rend vieille, on attache les foulards. Parce qu'on prend, moi, je prends de l'âge. Moi, j'assume mon âge. Hein. Je ne veux pas rester toujours... rester éternel à porter les culottes. Il y a un certain âge où... on laisse la place aux jeunes. Hein. Je ne veux pas porter les shorts. Ma fille porte les shorts. Je peux porter les shorts, mais pas ras du cul. Hein. Je porte les shorts, mais à mon âge. Si certaines ne veulent pas assumer. On sent que j'étais l'idole de cette personne. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas aller m'habiller encore comme je m'habillais il y a 10 ans. Hein?
Non? Je peux être sexy classe pour une femme de mon âge. Vous chassez là maintenant. Pour une femme de mon âge. Mais... Je suis une mamie jolie. Partez, quittez-la. Vous voyez comment elles sont. Je dis que si mamie est là, faut s'en va. Toi, on dit qu'on t'a donné le sang là-bas. Toi, on dit qu'on a fêté ton anniversaire. Vous allez vous rire, c'est comme les tueurs. Elles sont entrées là-bas alors qu'on les a fêté les anniversaires. L'autre, on donnait le sang, on allaitait. Commencez maintenant, hein. Publie. Mon fils, je vais t'envoyer la photo de famille. Tu masques le visage de mes enfants. Parce que je ne vais pas lui donner l'occasion de venir me chercher les problèmes. D'ailleurs, comme ils ont d'abord entendu leur voix ici, ça, lui, ça l'énerve. Mais, il n'a même pas le droit de s'énerver là maintenant parce que l'adversaire me lance trop les défis. L'adversaire a dit que mon Mouna ne vient plus ici. Rien que ça, il te gagne. Hein? Il te gagne. Voilà. Et je peux me lui demander, je peux lui demander maintenant qui nous a donné l'argent. Parce que moi, je suis une gamer jusqu'à ce n'est plus bien. Qui nous a donné l'argent pour aller à la foyer? Elle va vous dire que c'est papa. Les filles! Venez, on lance le défi au Djigouere. Nga, au Bounga. Hier, on était où? À la foire. À la foire. Qui nous a donné l'argent pour aller à la foire? Papi. Papi, c'est papi. C'est qui, papi? Là, c'est sérieux. Voilà. C'est papa. C'est papi. Voilà. C'est bon, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Juste pour ça? Oui, juste pour ça. Oh, ah là là! Tu vois les angoines comme ça là? Ils ont trois vélos. Pour vous dire. Les filles! Oui! Venez! Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une tata qui dit ici que je ne dis pas la vérité. Vous avez combien? Il y a combien de vélos en bas? Deux, trois, quoi en fait. Pour qui et pour qui? Papa et nous. Moi et Noé. Merci. Juste pour ça? Oui. Combien de fois Pat, moi j'aime le Congo ça. Les filles! Non, c'est la tata, tu vois, elle est en train de rigoler là. Quand vous allez souvent faire le vélo, vous allez faire le vélo avec qui? Avec papa. On va le faire toute seule. Merci. Oh, vous réfléchissez pas. Voilà, hein. Maman. L'homme alors qui est parti. Les enfants mentent. Les bateaux. Quand ils sortent comme ça, quand ils reviennent, ils manquent. Vous étiez où? Oui. Donc, pardon, Waris, s'il te plaît, de grâce, quand tu insultes un père de famille comme ça, là, c'est un père de famille. C'est un père de famille. Si tu ne le respectes pas, si tu me respectes, respecte-le. J'ai trop soif. D'accord, c'est un père de famille. Je suis rentré du pays, depuis que je suis rentré du pays, je suis une gamine. C'est lui qui nous a donné de vous distraire à la fois. Et la prochaine fois, on va aller ensemble. D'accord? Donc, il a des enfants. Il n'a pas seulement les deux ici. Il a d'autres enfants. Même quand on veut salir quelqu'un, il faut salir bien. On ne salit pas parce qu'on veut faire le aide-moi à détester. Le aide-moi à détester. Je ne sais pas quel problème tu as avec lui pour le traiter de voleur, de tous les noms que tu lui donnes là. Je ne sais pas où il a volé. Il est venu te vendre, je ne sais pas où aller. Demain, tu vas aussi m'insulter comme tu avais donné 20 euros qu'il vient de donner à Noé. Demain, tu vas aussi m'insulter avec ça. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça. Je ne suis pas très contente de toi, en tout cas. Moi, je préfère te dire, comme tu n'es pas hypocrite, moi aussi, je ne suis pas hypocrite, quoi. Voilà, c'est un père de famille. Quand il rentre tous les jours, il y a des enfants qui l'attendent. Et à un moment, quand elles sont déjà fatiguées, qu'elles ne le voient pas, elles vont demander qu'on l'appelle. Elles vont l'appeler. Il décroche. Voilà. Donc, vraiment, quand on veut me salir quelque chose,
faisons nos clashs, mais avec la vérité, sans mensonge. On a deux voitures. J'ai ma voiture, là, sa voiture. Là, il est sorti même avec ma voiture. D'accord? Donc, quand on veut me salir quelque chose, vous me faites même déjà faire même les dessus des enfants. Et il joue bien son rôle. Maintenant, nos problèmes que nous, on a souvent là, les enfants, ils ne sont pas au courant. Que nous, on nous fait nos petites querelles, jamais. Parce qu'on ne fait pas devant. Vous avez entendu, Zelinga, qui speak beaucoup. Zelinga, qui speak beaucoup. Donc, il a sa petite famille. Il a chacun un passé dans la vie. Tout le monde a un passé. Tout le monde a un passé. Et tout le monde, nous ne sommes pas nos premières expériences de vie commune. Elle là qui discute, là qui parle, elle a été mariée, je crois, puisqu'elle s'appelle Corny, c'est le nom de son ex-mari, non? Elle a eu des mecs qu'elle nous a présentés, même après qu'elle se soit séparée avec celui-ci, elle nous a présenté des mecs, non? Elle nous a présenté un blanc. Toi-même, Warissa est venue nous dire qu'elle a maintenant son blanc avec qui ils vont se marier. Et je ne sais pas qui vous a donné. Je ne sais pas qui vous a donné la date que je devais marier le 2, ou c'était le 2, ou c'est le 2 septembre, ou c'est le 2, quoi. Je ne sais pas qui vous a donné cette date-là. Je n'ai jamais donné une date de mariage ici. Je n'ai jamais donné une date de mariage. Jamais j'ai donné une date de mariage. C'est vous qui dites que vous allez faire partie de notre vie. Mais nous, on ne vous connaît pas dans notre vie. Nous, on a notre vie, petite vie ici. Ça nous suffit. Même le voice là, j'ai fait écouter ça parce que vous êtes en train déjà de lui, c'est-à-dire de lui mettre dans la bouche. Mais il est fou, c'est mon fou. Il est bandit, c'est mon bandit. Je vais valoriser jusqu'à ce que ça ne sera plus à moi, je vais arrêter de valoriser. La femme valorise toujours son mec, même s'il est malade, même s'il est comment. Quand ce n'est plus bon là, elle vomit. Mais pour l'instant là, même si il a fait quoi, maintenant, comme ma tata m'a parlé hier, ta vie de famille, nettoie ça là-bas dans la maison maintenant là. Même s'il est parti, tu l'as attrapé la main dans le sac, ne viens plus parler ici. Arrange ça là-bas. Donc c'est mon fou, c'est mon fou, c'est mon bandit, c'est mon bandit, c'est mon voleur, c'est mon voleur. C'est mon chômeur qui ne travaille pas, c'est pour moi. Mais vraiment, c'est un père de famille. C'est un père de famille. Voilà ses enfants qui l'attendent ici. Tu demandes à Noé le nom de ton père. Elle te tape ça sec. Tu demandes à l'autre le nom de ton père. Elle te tape ça sec. C'est le goumet là qui fait que les gens viennent mentir et assumer la jalousie. Il y a des gens qui veulent qu'on les appelle comme ça que papa. Oui. Maman, il y a des gens qui veulent que les mounas les appellent. Que Toutou Noé les appelle papa. Niette. Ils ont leur père. Tout ce qu'on fait, on fait avec nos enfants. C'est le goût de ça. On a les souvenirs jusqu'à. Nous, on a les souvenirs jusqu'à. Et je m'entends bien avec la mère de l'enfant. Très, très bien. Moi, je pars chercher la petite. J'appelle la maman. On s'entend. Je viens chercher l'enfant, on se parle très bien, on n'a aucun souci. Au contraire, toi, elle a des mauvais souvenirs de toi. C'est toi qui as gâté son mariage. Elle a des très mauvais souvenirs de toi. Hein? J'ai vu une vidéo ici l'autre jour où Noé était encore bébé. Thierry est venu à la maison et elle croyait qu'elle devait partir avec. Elle commence à pleurer. J'ai dit, oh, tonton, il a laissé bébé. Elle a pleuré jusqu'à... Hein? Laissez-nous vivre notre vie, non, mon frère. Vous nous... Déposez les armes, non. Moi, j'ai déposé les armes. Moi, je suis plus avec vous. Je me concentre maintenant dans ma vie. Il faut que je redresse un peu mon gars. S'il venait chez toi, là, il faut que je lui donne les médicaments. Je dois lui donner mes médicaments, là. Vous voyez, non. Je dois lui donner mon comprimé. J'ai ramené ça du pays. Il va lui donner le comprimé, il va boire. Comme ça, il ne va plus venir chez toi. S'il venait chez toi avant, là, c'est fini. Oublie ça maintenant. C'est fini. C'est bon, là. Il ne va plus venir. Si tu veux m'en parler.
Et si tu veux me gagner le pari, le jour qui vient, amène-nous une preuve. Tu nous amènes une preuve, je me déconnecte des réseaux sociaux. D'accord? Moi j'ai une seule parole. Tu m'amènes une preuve, je me déconnecte des réseaux sociaux, c'est tout. Voilà, donc, sur ce, je suis une personnalité. Les personnes qui même m'ont dit qu'ils ne voudraient plus me voir en train de bavarder sur les réseaux, n'importe comment. Ils ne veulent plus ça. Ils ne veulent plus m'entendre parler des histoires de ma vie de couple. Je leur ai dit, reçu 5 sur 5. Voilà. Tu ne peux pas demander que tu veux prendre l'enfant de quelqu'un. Sa maman vit encore. Tu dis que tu veux prendre l'enfant de quelqu'un pour dire, moi, elle m'appelle Tata. Et ça me convient. Ça me convient qu'elle m'appelle Tata. Je lui apprends notre culture. Vous savez que les enfants de Bengla sont souvent un peu compliqués. Je lui apprends notre culture. Je lui fais comprendre qu'elle est camerounaise. Son papa est camerounais. Et qu'elle est camerounaise. Voilà. Donc, nous, on a notre petite vie tranquille. Vous voyez comment est-ce qu'on s'amuse ici. C'est comme ça, même hors caméra. Hein, nous, on est toujours en train de rigoler. Moi, je ne sais pas faire du vélo. Donc, quand leur père est là, il les amène faire du vélo. Donc, si vous avez accepté prendre le rôle de Tisa, c'est sans moi. Ça sera toujours en cachette. En tout cas, on va toujours prendre tes téléphones, on va cacher. Pendant ce temps, moi, je vais toujours dire qu'on te bloque. Parce que moi, je vais toujours contrôler. Si tu es débloqué, moi, je demande à quoi. Moi, je rebloque. Après un moment, je vais bannir même le numéro là de son téléphone. C'est tout. Donc, je ne suis en compétition avec personne. D'accord? Je suis en compétition avec personne. Personne. Il a toujours été là pour mes bébés. Voilà, ici, elle avait quel âge? Merci pour mon anniversaire. Que voilà, elle est encore bébé. Gros bisous. Voilà, c'était pour mon anniversaire. Elle m'a fait une vidéo. Bonjour Anita. Merci pour moi, c'était un joyeux anniversaire. Ici, elle avait quoi? Elle avait peut-être 4 ans. Elle était encore bébé. Et c'est la maman, c'est sa maman qui lui dit de me souhaiter un joyeux anniversaire. Au nom de Jésus, merci pour mes 5 ans. Voilà. Ici, ça prie. Moi, j'ai les preuves. On a les preuves. Le téléphone n'est pas perdu. Mon téléphone est là. Patricia Mel. Moi, j'ai mon téléphone ici. Moi, j'ai mon téléphone. Il y a les preuves. Voilà ça ici quand elle était bébé. Voilà sa petite. Moi, j'ai les preuves. Hein. Mon téléphone de la gloire glorieuse garde beaucoup de choses. Mais genre, il veut vous laisser aller manger. Il a faim. Je vais vous laisser, non? Je vais m'occuper de mes affaires, je vais les laver. Je ne sais pas s'il fait quel temps il fait dehors, là. Il faut les amener au marché un peu. Non, c'est son tour, mon frère. Qui vient de laisser avec les enfants, là, moi, je vais sortir. Hé, c'est quoi? Il vient garder les enfants. Moi, il sort. Parce que mon fils Christian de Monaco, vous avez entendu, non? Il ne parlait pas encore bien, là. Et il n'y a pas de combine ici. Hein. Donc, quand je fais, j'achète le même jour du bois, quand il veut faire les cadeaux, il a fait les cadeaux toutes les deux. Il ne fait pas que. Non, il sait que j'ai 2 enfants ici. Quand elle est grande, quand elle est une grande dame, c'est comment? C'est quand elle souvent qui s'occupe de nous. Hein. Quand elle, c'est une grande femme maintenant. Hé, hey, maman, quand elle n'est plus votre canelle là. Hein. Quand elle va venir ici m'écrire, elle va nous porter dans sa voiture. Hé, hey, maman. Aristocrate, la fille de Maliba. Ce qu'on dit que si Kana entend ça, qu'on dit qu'elle parlait avec les enfants, elle peut se tuer. D'abord, vous connaissez comment Kana était, non? Toujours casanier, toujours fermé dans sa chambre. Kana parlait avec les gens, etc. Le seul enfant avec qui Kana a sympathisé, c'est le fils de Anoselé. Je ne parle pas qu'ils sont déjà morts. Kana vit encore. Si je l'appelle là maintenant, je lui pose la question. Elle me dit, maman, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle va gronder. Parce que Kana est devenue maintenant, elle est grande, non? Maman vient mentir. Quand elle va entendre qu'on va dire que oh, tu as parlé avec les enfants, elle va dire quoi? Maman!
Ils sont pas de ma génération. Je vous parlais quoi avec eux, moi? Baba, le mensonge de ça. Le seul enfant avec qui Canaël a sympathisé ici à Rouen. Parce qu'elle déteste d'abord. Elle n'a jamais aimé que je parle avec quelqu'un à Rouen. Elle n'a jamais aimé ça. Jamais elle n'a aimé ça. Les gens qui connaissent Canaël. Ce n'est qu'avec le fils, le premier fils de Anoselé. Avec qui Canaël a sympathisé un peu. Ouais. Une grande dame comme ça, comme Canaël, maman. Hé, hey, Canaël peut embaucher mon Angala chez elle. Canaël, c'est une bosse. Canono, elle a dit que mercredi, elle vient nous voir. Elle passe la journée avec nous. Ouais, un gars qui habite sa soeur chez lui. Dans les grands magasins. Hé, hey, maman. Bon, je vais aller manger. J'ai les appels là. J'ai mon oncle qui n'arrête pas de m'appeler aussi. Je vais aller manger un peu. Bisous, non. Pour dire le mot de la fin, moi, j'ai donné les mains, elle a gagné. Mais elle n'a pas gagné le gars. Moi, je suis resté avec le gars. Mais si maintenant, oh, elle veut faire les directs, oh, si elle veut, mais elle ne fait pas les directs, oh, vous avez compris le voice. Même le gars lui a dit déjà que laisse perpétue tranquille. Mais il faut qu'il refasse. Il lui a dit que laisse mon bébé tranquille. Laisse ma vieille femme tranquille. Oui, il doit faire ça. Il faut qu'il le fasse. Sinon, lui et moi, on va divorcer. Parce que je suis d'abord très énervée. Donc, il faut qu'il le fasse. D'accord? Donc, j'ai écouté trop de mensonges. J'ai vu que non, je ne peux pas continuer comme ça. Ça va durer. Je vais rester. Je risque de rester dans le mauvais rêve là. Non. Si elle veut, je lui donne les médicaments qui sont à la dépression. Au cas contraire, vraiment, moi, je la regarde plus. Je m'occupe plus d'elle. Sinon, non, c'est bon là, c'est bon pour moi, quoi. Trop de mensonges, c'est bon. Bon, j'espère que les personnes qui me suivent quand même, les personnes qui avaient des doutes, qui disaient que voilà, je ne suis plus avec l'enfant, comme on a dit le menti là-bas, que l'enfant ne venait plus ici, je vous ai quand même, voilà, et je ne peux pas vous montrer les vêtements du boulot pour dire que voilà, ça, déjà ce que j'ai fait, déjà, ils n'aiment pas. Encore fait comme on, Pipi avait fait là, qu'elle a montré que voici le voici qui est couché ici à la maison pour prouver. Non, j'ai pas besoin de ça, d'accord? Là, j'ai pas vraiment besoin de ça du tout. J'ai pas besoin de tout ça. Là, j'ai fait beaucoup là déjà. Bon. Entendu comment tu es en train d'en fuir. Ok. Je suis sûr que ça, c'est la bouteille, ça. Les filles. Votre père est là. Je suis en direct. Je vais y couper, mais moi, je pars. J'ai faim. Je vais manger. Non, j'étais en train de parler ici là quand on dit qu'on a fêté les anniversaires d'Alia. J'ai demandé les preuves, on dit que le téléphone est perdu. Qui a fêté les anniversaires d'Alia? Ton ex. Quel anniversaire? Et que nous ici on bagarre, on parle seulement son nom. J'étais en train de parler à Waris que s'il dit qu'il me respecte, qu'il arrête de t'insulter. Il dit que je ne sais pas en quel moment tu as perdu ton travail ou alors tu as volé le whisky pour aller le vendre ou le vin ou quoi. Ou je ne sais pas où tu as dit que tu es le fils du parenté au président. Je ne sais pas en quel moment tu as parlé ça. En tout cas, moi, je lui ai dit seulement que quand il dit qu'il me respecte, quand tu vois qu'il arrête de diffamer sur toi, vraiment. Quand tu vois, je ne sais pas qui il s'appelle, ou c'est Waris, ou c'est qui là. Je lui ai dit qu'il n'est pas ton ami. C'est quelqu'un qui a tous ses sens. Franchement, même s'il veut faire le aide-moi à détester. Je crois que c'est quelqu'un qui a tous ses sens. J'ai dit qu'il laisse ton nom. Mais qui te laisse.
qu'il continue à se masturber, mon homme, peut-être que ça va l'aider à devenir un homme. J'ai dit qu'il faut qu'il te laisse. L'autre a le droit de parler de toi, c'est ton ex. Mais lui, il parle de toi par rapport à quoi? Je ne parle pas des gens comme ça. Elle dit qu'elle s'accouche, elle, vous n'allez jamais vous séparer. Est-ce que c'est, c'est quelqu'un qui a tous ses sens. Toi, tu vois quelqu'un qui encaisse son sperme, non, mais encaisse son sperme. Ah, ils sont cachés. Ils veulent faire cache-cache avec toi. Soulève un peu le truc là-bas, s'il te plaît, ça, sauter encore. Tu as entendu papa, ils sont cachés dans la couette. Si ça va être assez masculin, mon nom, tant mieux pour lui. Si quelqu'un manque, quand quelqu'un manque, il croit ses mensonges. Non, que c'est quelqu'un, non. Le mensonge. C'est pour ça que je suis sorti. J'ai dit que c'est quel mensonge ça? Hey! Même quand on déteste quelqu'un, il y a des mensonges qu'il faut venir vraiment bien dire. Merde, non. Hier, là, mon cœur, ma tension est montée. J'ai dit que merde. Est-ce qu'il peut s'asseoir là où je m'assois? Il parle seulement. À quel moment, Waris, ici à Rouen, quelqu'un m'a dit que Thierry, un bandit, à Rouen. Ou comment vivre avec lui? Je ne sais même pas qui c'est, ça a peut-être le pigeon, je ne sais même pas trop qui c'est. Ah. Elles sont cachées, elles veulent que tu les trouves en fait. Quand tu vois comment c'est qu'elles t'appellent papa, tu dois trouver où elles sont. Regarde un peu sur notre lit. C'est pas votre chambre ici. Hein. C'est un père de famille. Quand il rentre, il y a les enfants qui l'attendent. Ses enfants l'attendent quand il rentre. Qu'il rentre à n'importe quelle heure, elles sont là, elles attendent. Le matin, dès qu'elles se lèvent, elles viennent contrôler. C'est comme ça qu'elles sont. C'est un père de famille. Donc quand tu viens mentir sur quelqu'un, vraiment, non, Waris, même quand tu es dans le aide-moi à détester, papa, fais le bien. Tu ne peux pas diffamer sur quelqu'un comme ça. Hein? Je ne sais pas depuis combien d'années vous avez commencé à dire qu'il a perdu son travail. Vous voulez seulement qu'il perde le travail ou quoi? Quelqu'un qui a été à l'école comme lui, là, il peut chômer. Ce n'est pas un illettré comme moi, c'est un instruit. Il était à l'école. Papa, tu as entendu la voix de ton Dieu? Papa, mais elle est bénie. Elle est bénie d'hier, faut pas dire. Vous l'avez gardé? Oui. Je suis le congélateur, je crois. Moi, je suis parti avec elle à la fois. On garde pas ça. Thierry, qu'ils ont gardé. Ils ont gardé à leur père. J'ai vu les enfants là, non? C'est un père de famille. Donc, vraiment, même quand on veut saboter quelqu'un, faites-le bien. Ne faites pas parce que vous faites de aide-moi à détester. Et ce n'est pas le gâteau qu'on dit qu'on prend. L'homme comme la femme cherche la stabilité. Et il n'y a pas un couple parfait. Mais dit que nous, on bagarre ici, je peux demander aux enfants. Les enfants, vous vous dites que jamais. Jamais. On peut pas être d'accord tout le temps. Je suis une femme, j'ai le droit d'être aussi jalouse, non? Il est un homme, il a le droit aussi d'être jaloux. Mais lui, en tout cas, il est garanti à 100%. Et quand Waris vient dire qu'il était ami avec l'autre gars là, ça alors j'ai voulu tomber. Pas que j'ai voulu me suicider hier. Que Thierry connaît le gars là où? Thierry connaît le gars là où? Thierry ne connaît pas le gars là. Parce que le gars dit que c'était son ami. Quel ami où? Donc je n'étais plus ami de l'autre. Il était ami avec. Thierry ne connaît pas ce gars. Hein? Thierry ne marche même pas avec. Il ne marche qu'avec les personnes plus âgées que lui ici à Rouen. Donc quand j'ai entendu comment est-ce que Waris vient parler, je ne vous mens pas, j'ai eu trop mal. Jusqu'à dire, peut-être on manipule alors ta copine, mais moi on ne me manipule pas en tout cas. Moi, on ne me manipule pas. Moi, on ne me manipule pas. Moi, je vis ma vie tranquille. Vous avez entendu, si j'ai demandé qu'ils ont combien de vélos, vous avez entendu les enfants dire 3 vélos. Qui vous amène faire le vélo? C'est papa. Parce que moi, je ne connais pas faire le vélo. Qui nous a donné l'argent pour aller à la fois? C'est papa. Vous avez entendu. Et si je leur demande, est-ce que j'ai déjà bagarré avec papa? Et si on vous dit non? Vous dit non. Quand même. Papa, il m'a dit qu'il va
Je dis à les filles. Quoi? Est-ce que j'ai déjà bavé avec papa un jour? Oui. Mm-hmm. Vous avez entendu, non? Non, j'ai déjà bavé avec papa. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une tata qui dit que j'ai bavé avec papa. C'est faux. C'est tout faux. Elle a tout faux. Tata, tu as tout faux. C'est là, elle a tout faux. Tata, tu as tout faux. Ok, mais tu te coupes le direct. Papa, il a dit tu arrêtes ton direct. Qui a dit? Papa. Donc tu dois l'arrêter. Papa a dit quoi? Papa, il a dit tu arrêtes ton direct. Donc du coup, tu vas le couper. Oui, parce que tu vas le papa couper. Papa a donné un ordre. Oui, tu vas le couper. Du coup, après, tu vas te laver. Et après, tu vas manger. Et après, tu pourras le continuer. Et en plus, après, il l'a dit. Je vous aime. Bye bye. Non, elle vous aime pas. Comment? Elle vous aime pas, en fait. Je les aime. Regardez-moi les. Elle vous aime pas, faut pas la croire. Bon, bisous, bye bye. Il faut pas la croire.